Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons lire un texte dont le titre c'est « Il y a un cauchemar dans mon placard ». Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. Aussi, avant d'aller dormir, je fermais soigneusement la porte. Cependant, j'avais encore peur de me retourner et regarder. Quand j'avais regagné mon lit, je jetais un dernier coup d'œil. Une nuit, j'ai décidé de me débarrasser, une fois pour toutes, de mon cauchemar. Dès que la chambre fut dans le noir, je l'entendis glisser vers moi. J'allumai brusquement la lumière et le surpris assis au milieu de mon lit. « Va-t'en, cauchemar !» m'écriai-je. « Où je tire ?» J'ai tiré et mon cauchemar s'est mis à pleurer. « Cauchemar !» lui ai-je dit. « Tais-toi, reste tranquille, sinon tu vas réveiller papa et maman. » Comme il ne voulait pas s'arrêter de pleurer, je le pris par la main et l'installai dans mon lit. Puis, j'allais gaiement fermer la porte du placard avant de le rejoindre. Je vous rappelle, chers élèves, que ce texte est écrit par Mercé Maillet. Il y a un cauchemar dans mon placard. Édition Gallimard, Copérez, Mercé Maillet, 1968. Au revoir.